pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film. Ce que je suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour moi? Bah, est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. Loi 2218. La file d'un côté avance toujours plus vite. C'est dégueulasse ce que tu fais aux gens, tu les connais même pas et tu t'amuses à leur faire du mal. T'as été le mon numéro. N'importe qui ferait mieux que toi. C'est interdit d'aller dans le champ. Ah, bonne question, si je le savais. J'aime sentir que quelque chose est là. Je n'en sais absolument rien. Mais évidemment, j'ai quelques doutes. Hein. Il se manifeste très très peu quand même. Je suis pas croyant et... Mais c'est pas un film qui est contre la religion. Dieu existe et il habite à Bruxelles. Je crois que c'est quelque chose, tu vois, c'est quelque chose qu'on a écrit avec Thomas qui s'inspire de... Un peu comme si c'était le pitch des écrits, le pitch de la Bible et du Nouveau Testament, en se disant, et tiens, et si Dieu existait et qu'il habitait maintenant à Bruxelles et qu'il avait une fille et une femme dont on n'a jamais parlé. Quand Jacob m'a proposé de faire la femme de Dieu, je me dis, bah, ça ne se refuse pas, c'est très marrant. Ici, en l'occurrence, la femme de Dieu, c'est quelqu'un de mou, qui ne prend pas de décision, qui a peur. Je l'ai plutôt vue comme une femme battue. Je trouve que le constat est plutôt drôle aussi, que Dieu existe, il habite à Bruxelles, un appartement. Je veux dire, il y a une série de choses qu'on nous fait avaler, avec lesquelles on est assez vite d'accord avec le film. Et le personnage principal, ce n'est pas Dieu, c'est la fille de Dieu. Et puis après, la femme de Dieu, en fait, dans cet univers qui n'est pas de la religion, qui est une espèce de cliché, d'un espèce de despote. Lui, ce qu'il aime, en fait, c'est avoir le pouvoir, pas en faire grand-chose, mais avoir le pouvoir. Et puis, il va se mêler au monde féminin, qui n'avait pas beaucoup de place, en fait, dans les écrits qu'il y avait eu avant. Aurélie, elle vit seule dans un appartement à Bruxelles. C'est à cause de sa insécurité, parce qu'elle a perdu son bras quand elle était petite. Et voilà, elle vit seule. Et un jour, elle devient un apôtre de Dieu, de la fille de Dieu. C'est une utilisation très libre du terme apôtre. Hein. C'est juste le frère de la fille de Dieu, notre ami Jésus, qui lui dit « Essaye de faire comme j'ai fait, et t'écriras un tout nouveau testament, et ça permettra peut-être d'arranger vraiment toutes les conneries que papa a fait. » Donc elle essaye, mais on est vraiment dans l'artisanat, elle essaye un truc parce que c'est plus par désespoir. Jacob m'avait demandé 10 idées d'histoire, de départ, vraiment, voilà. Après 2 mois, je suis arrivé avec mes 10 idées. Il y en avait 2 qui l'excitaient, c'est Dieu habite Bruxelles, et qu'est-ce qu'on ferait si tout le monde connaissait sa date de mort? Si je recevais sur mon téléphone portable le jour de ma mort, je crois que... Je ferai rien le plus longtemps possible. Est-ce que je changerais? Je changerais pas grand-chose. D'embrasser les gens que j'aime. J'arrêterai de travailler. Et peut-être j'essayerai d'écrire. Mais moi, je trouve que c'est la force du film, c'est d'avoir envoyé les dates de décès à tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a sa date de décès, que ce soit 12 ans, 5 ans ou 2 jours, enfin, 2 jours, ça rapproche quand même. Mais on se dit, ça pose la question de la vie. C'est toujours un peu le sujet de mes films, je crois. C'est comment raconter l'étrange expérience d'être en vie, qui n'est pas une histoire, à travers un médium qui est le cinéma, qui essaye de donner un sens. Tu sais ce qu'elle a fait, ta fille? Elle a balancé les dates de décès! Il est encore impossible de savoir s'il s'agit d'un canular ou si ces fameuses dates de décès se confirment. Merde, je vais la chercher. Et je peux te dire que cette fois, elle va dérouiller. Je cherche une petite fille avec des cheveux noirs un peu agités. Qu'allons-nous faire du reste de notre vie est la question la plus fréquente sur les réseaux sociaux. 62 ans à vivre, 62, test. Je pense que Jaco a un monde...
très personnel, des choses subtiles qui peuvent toucher au cœur. J'aime beaucoup, c'est un monde parfois un peu féerique, bizarre. C'est un scénario si intelligent, si temporain aussi, si belge aussi. Parce que ce que Jaco fait avec des thèmes comme la religion, vie et mort, notre société médiatique, l'humanité, quoi, c'est très contemporain. J'adore son univers, ce qu'il est, comment il fait, comment il est avec les gens. Et puis de faire la femme de Dieu, je trouvais ça plutôt drôle et plutôt saugrenu. Mais le scénario aussi, sur papier, il fait un peu foufou la galette quand même. Ça reste un film foufou la galette, mais on accepte complètement ce qui est proposé. De voir ce que la lecture du scénario engendrait comme... C'est assez surprenant quand même, parce qu'il a tellement il y a beaucoup de prouesses techniques, entre guillemets, avec peu de moyens d'ailleurs. Une invention, à tous les coins de rue, il y a de l'invention. J'aime vraiment son univers poétique et envoûtant, et j'ai pas envie d'y toucher. Je pense que lui aime un peu les esprits tordus que je dois avoir, et il n'a pas envie d'y toucher non plus. Personne n'a vu depuis le début des films de Jaco toute la noirceur qu'il peut y avoir dans ses films. Il y en a beaucoup. Et personne n'a vu chez moi toute la poésie infantile, alors qu'il y en a beaucoup aussi. J'aime beaucoup m'amuser, j'aime partir dans plein de chemins étranges, explorer des choses. Et chez Jaco, il y a aussi toute une face obscure qui, je trouve, depuis Toto le héros, est là, présente et forte et donne un relief, vraiment, je trouve, beaucoup de relief à son film, à ses films, à son univers. Non, c'est la première fois que je travaille avec un co-scénariste et c'était vraiment... Enfin, ça continue à être vraiment magnifique parce que c'est quelque chose où on a tous les deux notre place mais qui n'est ni que de lui ni que de moi. C'est vraiment quelque chose qu'on a fait à deux, que je ne saurais pas faire sans lui, qu'il ne saurait pas faire sans moi, et qui mélange un peu nos deux styles qui sont proches sans l'être d'une certaine façon. Et il amène un côté que j'adore qui est le... Il est très très fort dans les monologues et il le fait de façon extrêmement littéraire, et je trouve que ça amène un décalage qui est très très beau, et ça amène aussi la musique des mots que je n'utilise pas au cinéma quand je fais du cinéma tout seul, disons.